arriveras jamais. Depuis tes tout petits, là, que tu aspires à arriver à un certain, mais là, c'est ça. Et les gens vont venir te manger. Vous avez dit que j'aimais la folie? Oui. Ben, je vous aime bien gros, merci. Mais c'est fini. Okay. Jacques Fortin, merci. Comment ça va? Des problèmes dans le bon sens? Ça va à l'envers. Les problèmes du roi d'Agobert. Là, oui, qui a mis sa cul, là, t'as l'envers. Bonjour, avec Jojo. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est des belles petites fleurs. Mais oui, c'est mes antennes fleuries avant que le gros méchant hiver vienne nous croquer. Moi, ben, je oui. lâche pas. Je continue l'été, comme ça, tout le monde va être content. Après les poissons exotiques, on a une astrologue exotique aujourd'hui. Oui. C'est merveilleux. Ah, les petites nageoires. On va faire ça? Oh, c'est ben oui, on peut pas. L'amour, c'est ça qui mène le monde, non? Oui, oui, oui. On va regarder les hommes. C'est extraordinaire. Oui, ils sont... Oui, ils sont fantastiques. Ils sont explosifs aujourd'hui. Audience bon. Chérie. Audience chérie. Bon. Alors, Huguette, on a aujourd'hui, bon. Encore une fois, des hommes... Taram, taram, tam. Oh. Vous connaissez ça, cette chanson-là? Yeah! Oh! De votre vie avec Huguette et Jojo, bien sûr. On va essayer de passer de voir beaucoup d'hommes, là. Ben oui, c'est plus qu'on fait. Bon, regardez. Ici, si vous le regardez, il y a un charme fou. Ah, oui, il a un cou très long, puis il peut voir n'importe où, et je l'adore. Moi, je veux me considérer comme la sœur de E.T. Bon. Oh, Seigneur Jésus, je veux E.T. Délivrez-nous du mal, amen. Mais non, mais j'adore E.T. Là, il faudrait y aller parce que. Oui, c'est un dragon. On va étirer. Oui, c'est un dragon, donc c'est pour ça qu'il a du talent. C'est un gars extrêmement artiste. Qu'il est toujours là en temps de fête des parties du carnaval. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'à son tour, elle s'assoit sur ses genoux dans une chaise berçante, préférablement, puis qu'à son tour, elle lui chante une petite chanson incroyable qu'elle a inventée elle-même. Très, très, très personnelle et merci, très, très intime. Moi, 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 moi. Le train de Madame Proulx est arrivé à la première station. Jacques! Voilà! On est là! On vous aime! La deuxième partie de l'homme de votre vie avec Huguette et Jojo. Bien. Oui, Jacques. Bien. Est-ce que tu savais que Jojo avait des talents de danseuse? Oh, est-ce que c'est vrai, ça, Jojo? Absolument, j'ai tous les talents, voyons. Elle invente même des danses comme celle des Dents de la Mer, par exemple. Est-ce que tu peux nous faire les Dents de la Mer, Jojo? OK, les Dents de la Mer, mais je vais vous faire surtout la danse de jazz. Okay? La danse de jazz. Excusez, jazz, c'est très dangereux. Oui, oui. Alors, c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est... C'est beau! Le robot, il sait tout, c'est ça, il est fantastique, ce robot-là. Oh! Engagez-vous, qui disait. Bonjour, Samantha. Bonjour, chérie d'amour. Le voulez-vous, je peux vous le prêter? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Ça me semble que vous seriez beau, et que juste pour voir. Oh, oui! Ouais. Mais là, vous nous devancez à l'Halloween. On fait quelque chose de spécial. Ben, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween toute la semaine. Vas-tu avoir un autre déguisement? Ouais. Oui, vendredi. Ça va être Ah, ouais, 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 ouais. Oui, là, vous mes pilules avant l'émission. Oui, vous êtes mieux. Le pot au complet, s'il vous plaît. On porte aux gens en gris, eux autres, là. C'est une calmante, hein? Ah, oui, 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 oui. Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. J'ai une attitude tigrée jusqu'au bout de mes orteils pour Partout, partout, c'est tigré comme ça. Pas les mêmes coups, mais oui. Vous regardez faire la sorcière avec Diane, les choses de part. Diane, ça. Non, mais elle a pas de micro, là. Oui, dis-le. Fais la sorcière, Diane. Moi, je fais le médecin qu'elle a fait la voix. Merci. Bravo, Diane. Merci, bravo. Diane, qui est la femme de Palo. C'est ça. Diane Bonne-Dieu, la femme de Palo. Oui. Elle, on a une belle chanson à lui chanter. Oui. Ah, oui? Elle est toujours derrière, derrière, derrière. Elle a compris ce que monsieur le curé a dit. Elle lâche pas son mari. Donne-moi tes pieds. Et là, elle va se glisser à tes pieds, puis dans un beau petit pleu rouge avec de la mousse blanche, puis du savon rouge, puis ses mains blanches. Elle va tout masser tes belles petites nageoires. Puis là, je t'appelle. Non, t'appelles pas. Non, non, continue. Et là, elle continue, puis là, il faut monter jusqu'à la tête. Alors, en le graffignant, en le mordant, parce que lui, il aime ça. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, t'as dit ça, je le sais. En le mordant, le graffignant. Elle est folle. Elle est complètement folle. Non, écoute-moi. Là, elle monte jusqu'à la tête. Et quand elle va crier, oh, 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 sans finir, par cette nuit. Douce nuit. Et c'est là qu'il va lui dire. Absolument, mon cri est plus long que ça, moi. C'est fini. On s'en va en tout cas, dans la nuit, l'astre, lui. Capitaine, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je t'aime, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
ne reculant devant aucune dépense, via Québec, a le plaisir de vous présenter maintenant les femmes les plus célèbres de son émission. Voici donc l'impératrice du showman et la reine de la guédille au poulet. Mesdames, messieurs, les applaudis. Ah, impératrice. Non, blanc, blanc, blanc. Blanc, blanc. Non, pas du lit blanc. Ou un lido, du... peut-être. Un lido. Mmh, chère reine, m'assoyez-vous. Je vous en prie. Ah. Ah. Vous avez des costumes absolument somptueux. Bon. Je pense que Jojo, c'est un vrai costume. C'est une vraie robe de reine du 16e siècle. C'est quelqu'un qui m'a ramené ça, un beau Raphaël chéri d'amour, qui m'a ramené ça de Prague. Oh, ouais. C'est magnifique, c'est splendide. Et vous, chère impératrice? C'est beaucoup plus prosaïque. Je suis allée le louer dans un magasin de Mont-Lélal. De Mont-Lélal? Oui, là, je vais reprendre mon accent. Hein, parce mais que ça, je trouve ça trop compliqué. Oui. Je l'ai loué au... Oh, on va se rendre jusqu'au bout de la paix. On va se rendre jusqu'au bout. Penses-tu? Ah oui. Ah. Mais non, vous avez mis toute une créature. À force de recommencer, on finira vu. Faites-donc ce que vous nous faites, Jojo, là. Ouais. Je vous embrasse partout. C'est-tu qu'elle est blonde enflammée? Ah, oui. Vous pouvez prendre en feu si vous continuez comme ça. Sais-tu pourquoi c'est fait que les hommes préfèrent les blondes? Non. C'est parce que les blondes savent ce que les hommes préfèrent. Ah! Bravo, je suis d'accord avec vous. Ma chère Huguette. Seulement ton ruban dépasse un peu. Mais oui, c'est ça. Je sais ce que les hommes préfèrent. Les jupons, les trucs. Une vraie surprise, parce qu'on me cache depuis mon arrivée aujourd'hui en studio, Huguette Proulx et Jojo, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ont une surprise. J'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit, mais je suis persuadé que l'homme de votre vie aujourd'hui sera traité avec tout le sérieux qu'on leur connaît. Accueillons donc ces deux blondes fatales, Huguette Proulx et Jocelyne Savard. Oh mon Dieu! Venez vous asseoir. Mais oui, restez oui, pas oui, debout, oui. On va vider le studio. Oui. Oui. Oh, bonjour, Huguette. Ça va bien. Ça va bien, ma belle Huguette. Ça va bien. Bonjour, 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 bonjour. Mmh. Mmh. Oh, Seigneur, ça se fait. Alors, voici Huguette Proulx et Astro Jojo. Oh, ça se peut, c'est mon voyage. Ma Huguette, ça va bien? Ça va très, très bien, oui. Très, très bonne semaine. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va bien. Vous êtes sûr de ça que ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? On a-tu beaucoup d'hommes aujourd'hui à éplucher comme ça? Ah, beaucoup, beaucoup d'hommes merveilleux, extraordinaires. Mon Dieu, c'est génial les affaires encore une fois. Jojo, ça va bien? Vous avez une sorte de petite recette aujourd'hui, Jojo? Qu'est-ce que je... Ah, Jojo, vous avez une sorte de petite recette aujourd'hui? Jojo, Pierre, Jojo, il parle. Là. Oui, Pierre! Excusez-moi, c'est lui, qu'est-ce que vous disiez? On a beaucoup de petits trucs aujourd'hui pour ces hommes? Ah oui, j'ai des petites recettes extraordinaires. Vous allez voir, je vous ai concocté des petites affaires. Vous allez les garder auprès de vous sans hein, je vous le dis. Mais suivez bien ce que je vous dis, parce que les as, ça détermine tout. Monsieur, monsieur, allez-y, plongez, écoutez pas Huguette, écoutez-moi. Bon, d'accord. Oh, oh. Que faire à cet homme fatal, merveilleux, divin mâle? Oh, c'est vrai, toutes les qualités qu'il y a, franchement. Bon, alors, vous, si j'étais vous, je me vêtirais d'un voile ajouré et je le kidnapperais. Les yeux bandés, évidemment. Et je l'amènerai à un château rustique, un château de bonne entente. Essayez, château bonne entente, c'est extraordinaire, demandez la avec des bains tourbillons, c'est formidable. Écoutez, c'est vrai, je vous le dis. Bon, alors, et puis, là, vous
pourrez revivre ensemble une lune de miel où vous serez abeille et lui bourdon. Et après que vous aurez fait bzzz, il vous dira « Dors, dors, mon ange. » Ah, oui, dors, bon, dors, 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 dors. Jojo! C'est tout le temps que nous avions... La fille est René Simard pour le jeune marié. Oui. Hein? Oh oui! Oh, oh, oh! Oh, ah, ah! Ah, c'est un de Michel. Michel. Mmh. Astro Jojo, fais-toi oui, les antennes. Tu vas avoir de l'ouvrage, Bertine. Oh non, mais c'est pas plate au moins, hein? Alors, Dominique, c'est une balance et c'est aussi un singe. Vous avez sûrement remarqué. Alors, donc, ses fruits... Ses fruits favoris sont les bananes. Alors, elle, si vous voulez pas qu'elle parle, vous donnez bien des bananes, elle est bien contente. Elle veut pas le bananes, donc elle veut parler. Alors, c'est une petite fille, elle a eu Uranus en bélier, donc quand elle était petite, dans un sens, quand elle est née, c'est un petit ange et un petit démon en même temps. Ça, c'est à part égale. Un côté d'elle, c'est des petites hommes, mais le côté d'elle, c'est des grandes ailes. Elle est extrêmement généreuse, qui m'a beaucoup, beaucoup donné un petit choc, c'est qu'elle est à Saturne en Capricorne, donc elle a aussi Mars en Cancer, ça donne une certaine timidité, ça veut dire que tu as une certaine réserve dans le fond. Oui. Et tout cet élan que tu donnes aux gens, c'est pas nécessairement parce que tu lis, c'est que dans le fond, tu as un peu peur. Mm-hmm. D'où j'en viens à son pire défaut, elle a toujours en elle un genre de doute. Tout le temps, mm-hmm. C'est là. Mais depuis à peu près 2 ans, ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Ouais. Sa plus grande qualité, c'est une séductrice. Vous ne pouvez pas lui résister. Premièrement, elle, ses hommes dans la vie, c'est elle qui les conquiert. Elle ne la conquiert pas, c'est elle qui décide et c'est tout. Je sais. Sûr qu'il n'y a pas aucun homme qui a décidé. Je sais. Alors, je voudrais parler peut-être de cette, un peu intimement, de cette, une petite recette pour elle. Je peux, oh je là peux. Là, vous voulez plan, tout savoir, hein? Dominique, ouais, n'est-ce pas? Mais premièrement, elle, je suis sûre, l'homme de sa vie, là, son amant chéri, qu'elle l'a conquis toujours, c'est bien important. C'est vrai, Dominique? Oui. Eh bien, il faudrait qu'il l'amène dans une petite cabine de luxe, pardon. Elle aime ça bien arranger, tout ce qu'il faut à la bonne place. Bien encore. Mais dans un bois rustique, à l'intimité. Mmh. Et là, le secret, c'est de la laisser dormir longtemps. Elle n'a pas tout se réveiller de bonne heure. Après ça, tu lui sers un petit déjeuner au lit, c'est fantastique. Et là, tu lui passes la main dans le bas du dos jusqu'à l'omoplate. Elle meurt. Et ça finit quand même. Et là, non, le pire, c'est pas tout. C'est le qui hérite? Hein? C'est qui hérite? Mais non, tu vas voir, je suis pas fini, là. Vous voulez pas savoir la oui. Place extraordinaire intime où c'est fini? Oui. Alors, son chum, je vais vous la raconter. Alors, son chum, à un moment donné, il lui raconte « Dominique, oui, je t'aime passionnément. » Et puis, « Oui, je suis fou de toi. » Il faut lui dire ça tout le temps. Elle adore les compliments. Il faut la booster tout le temps. Et les places qu'elle aime, ton nez, tes yeux, tes oreilles, tes cheveux, tes cuisses, tes pieds, tes orteils, ton bédon. Mais surtout, qu'est-ce qu'il reste? Tes petites papas! Oh! Qu'est-ce qu'il reste? Merci beaucoup, Jojo. Merci beaucoup.